Alors, tout simplement par la prise en compte de la nécessité de faire face à la crise que les pêcheurs de l'Union européenne rencontrent en raison, bien sûr, de l'augmentation du coût du gazoil, mais ça concerne aussi les transporteurs et beaucoup d'autres que les pêcheurs, mais du fait que leur situation était déjà très difficile en raison de la diminution de la ressource. Donc là, la profession est en danger de disparaître si on ne procède pas à des aides d'urgence. Et la question orale posée concerne exactement la façon dont le Conseil et la Commission envisagent de suivre une partie des propositions qui ont déjà été faites par le gouvernement français, par exemple, pour aider les pêcheurs à passer ce cap très difficile. Merci.